Bonjour, good morning, salam alaikum, azur, beauté, abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos procédures d'immigration et que vous passez une bonne semaine. Moi, je vais bien, merci. Désolée pour l'absence. Ces temps-ci, j'ai beaucoup de contraintes au niveau du travail, donc j'ai beaucoup de travail. Puisque la moitié de mon équipe a changé de travail, donc j'ai beaucoup plus de responsabilités au travail. Raison pour laquelle je suis restée des semaines sans vous publier des vidéos. Et si bon, maintenant, je suis revenue. Je pense que par semaine, je vais poster entre une ou bien au maximum deux vidéos maintenant. Donc, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour les derniers résultats de Entrée Express qui datent du 31 mars et le 1er avril. Il faut savoir que si vous êtes sélectionné dans un tirage d'entrée express, ceci vous permettra de soumettre votre demande pour devenir résident permanent du Canada. Entrée express concerne toutes les provinces et territoires du Canada, sauf la province francophone Québec. Si vous trouvez mes vidéos intéressantes, merci de mettre un j'aime, un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, commençons, allons-y maintenant. J'ai pris une capture d'écran depuis le site officiel de l'immigration. Pour le tirage du 31 mars 2021, donc ils ont invité 284 personnes qui sont dans le programme d'immigration, programme des candidats des provinces, et le nombre de points minimum était 778 points. Et pour le tirage du 1er avril, ils ont été bien généreux. Donc, ils ont invité des personnes qui sont dans la catégorie de l'expérience canadienne. 5 000 personnes ont été invitées à présenter leur demande de résidence permanente et le nombre de points requis était de 432 points. Donc, voilà les derniers résultats de Entre Express. Vous voyez bien que ces temps-ci, ils sont très généreux. Parce que ils ont pour cible d'inviter juste avec Entre Express pour l'année 2021 110 000 personnes et plus de 400 000 nouveaux résidents permanents. C'est ça leur cible pour 2021. Donc voilà l'information que je voulais partager avec vous. Encore une fois, désolée pour mon absence. Je vais revenir doucement, une vidéo, voire deux vidéos par semaine pour partager l'actualité de l'immigration au Canada. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et du succès dans ce projet. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.